Bientôt l'heure des retrouvailles. Le 1er juillet prochain, les princes Harry et William vont enfin se retrouver. Après plusieurs semaines sans se voir, les deux frères vont se retrouver pour un événement cher à leur cœur, l'inauguration de la statue de leur mère, Lady Di. Plusieurs membres de la famille royale vont se réunir, pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana. La statue sera érigée à Sunken Garden, dans les jardins du palais de Kensington, un endroit que Lady Di appréciait particulièrement. La venue du prince Harry au Royaume-Uni était compromise en raison de Meghan Markle, si jamais elle venait à accoucher aux alentours du 1er juillet. Désormais que la petite Lilibet Diana a vu le jour, le père de famille de 36 ans pourra se rendre à Londres pour participer à la fameuse inauguration. Et visiblement, le prince Harry est décidé à faire front commun avec son frère le prince William, selon les confidences d'une source auprès du Daily Star, apprend-on ce mardi 8 juin 2021. Les princes Harry et William veulent rendre un hommage approprié à leur mère. Le prince Harry a confirmé aux assistants qu'il assistera bel et bien à la cérémonie. Harry a dit qu'il ferait tout son possible pour être là. Il veut faire front uni avec William et rendre un hommage approprié à leur mère, a confié la source. Seule contrainte, il devra passer un test de coronavirus négatif avant de prendre l'avion, puis devra en passer deux supplémentaires une fois au Royaume-Uni. Peut-être le duc de Sussex devra-t-il se mettre en quarantaine pendant une dizaine de jours, tout comme il l'avait fait la dernière fois qu'il était venu au Royaume-Uni, pour les funérailles du prince Philippe, le 17 avril dernier. Les princes Harry et William ne se sont pas vus depuis. Le jeune prince et son grand frère de 38 ans travaillent sur la statue hommage à Lady Diana depuis 2017.